Le bruit des épées qui s'entrechoquent, cela fait 25 ans qu'il fait partie du quotidien de Laura Flessel. En escrime, outre la pratique de l'assaut en entraînement ou en compétition, c'est en leçon face à un maître d'armes que s'acquiert la technique. Aujourd'hui sur la piste du Lagardère Paris Racing, le nouveau club de Laura, séance particulièrement éprouvante. Troisième, plus que deux. En assaut, on peut, sur deux ou trois touches, on peut tricher un petit peu et baisser en régime, tandis qu'à la leçon, et surtout celle-là, cette leçon PMA, on ne peut pas tricher. Donc c'est dur et certains escrimeurs détestent les leçons, mais moi j'aime bien. Tu descends vite. On va reprendre un petit peu, on va attendre un peu pour voir quand ça redescend aussi vite que ça. Hein ? L'objectif, c'est de la mettre au maximum, on la met au rouge pratiquement. À voir comment elle réagit sans le rouge. On le voit même sur la fin, la performance gestuelle, même la précision se perd normalement. Mais là, on ne l'a pas trop vu quand même. Je croyais que c'était elle qui allait être cramée, mais non, c'était moi. On ne pouvait plus sur la fin. C'est presque moi qui regardais plus de temps que elle. Mais bon. Allez, let's go. C'est parti, 5 minutes. Ça fait 5 là. Non, 4. Il me grouille encore une minute. Il me fait souffrir et il me grouille la minute. Là. Avant Hervé Faget, Laura s'est entraînée avec Michel Sicard, actuel directeur technique national. Lui aussi se souvient de séances particulièrement appliquées et soutenues. Mais elle lâchait rien, quoi. Je veux dire, à la séance d'entraînement, chaque geste qu'elle n'arrivait pas à faire, elle fallait le répéter des dizaines de fois. Et c'était toujours la même chose. Hein. Certains athlètes, ou même certains coachs, pouvaient à un moment donné se lasser de répéter toujours la même chose, non. Elle, c'était comme si c'était toujours quelque chose de nouveau et qu'elle recherchait toujours quelque part la perfection. Il reste 2 minutes encore. Avec 5 médailles olympiques et 6 titres mondiaux à son actif, la Guêpe, comme on surnomme la Guadeloupéenne depuis ses débuts, veut encore progresser. Pour cela, elle a choisi une partie de son staff d'entraînement, une démarche rare dans une discipline non professionnelle. Elle est arrivée en disant, voilà, moi je viens, mais je veux être championne olympique, je viens avec mon maître d'armes, je viens avec mes sparring partners parce que ce sont elles qui vont m'aider à obtenir le titre que je veux obtenir. Le reste, combien tu veux, combien je donne, combien, etc., tout ça, ce n'est pas très important. Ce que je veux surtout, ce sont les outils, me dit-elle. Les outils pour que je puisse devenir championne olympique de nouveau. Oh ! En escrime, il n'est pas possible de progresser sans confrontation. Pour augmenter son niveau d'opposition, Laura tire parfois face à des garçons, comme ici face à Fernandez, le numéro 1 mondial. Il n'est pas rare d'ailleurs que l'on compare la puissance de son escrime à celle d'un homme. Cette puissance, quand ça arrive au plastron, quand cette touche-là elle vient te toucher le corps, là tu sens que ça y va à fond, quoi. Et ça m'a impressionné. Août 1996, Jeux Olympiques d'Atlanta. Le grand public fait connaissance avec Laura Flessel. Une finale remportée sur sa coéquipière Valérie Barlois, puis à nouveau la victoire dans l'épreuve par équipe, la Guêpe devient double championne olympique, 2 médailles qui font rentrer Laura Flessel dans l'histoire. C'est une des premières athlètes noires, une des premières athlètes antillaises, et elle arrive sur un coup de force, quoi, double médaille d'or au jeu. Entrée de l'épée féminine au programme olympique,
Et là, c'est le début d'une grande aventure, même si elle avait déjà performé auparavant, puisque je me souviens qu'elle était sur le podium de l'épreuve individuelle l'année précédente au championnat du monde à La Haye. On était ensemble en équipe et effectivement, elle avait déjà gravi la troisième place individuelle et elles avaient également fait une médaille d'argent par équipe. Hein. Donc, elle ne s'est pas véritablement découverte pour le monde de l'escrime, mais pour le grand public, évidemment. Quoi. Laura Flessel, c'est Atlanta, c'est ses deux médailles d'or. En 2001, Laura met au monde sa petite Leilou. On se souvient que pendant sa grossesse, Laura n'a jamais cessé de prendre la leçon, assise, l'épée à la main. Trois mois plus tard, à Nîmes, elle est vice-championne du monde. Depuis, la star de l'escrime mène une double vie au quotidien, sportive de haut niveau et maman. Donc en fait, le matin, je la pose et par la suite, je pars à l'entraînement, j'enchaîne. Et aujourd'hui, l'enchaînement commence au pas de course. Là, on est à Jambouin, au stade Jambouin, et on va récupérer, on va aller rejoindre les Hervé et toute l'équipe pour travailler la séance d'assaut. Séance très particulière, pour la première fois, des capteurs sont disposés sur un escrimeur afin d'analyser très précisément chaque geste effectué. De la haute technologie mise en place pour les sportifs du team Lagardère. On a occupé Laura de capteurs qui nous permet d'avoir un enregistrement avec des caméras infrarouges et qui va nous permettre de reconstituer en trois dimensions les gestes techniques de Laura et de pouvoir les analyser d'une façon beaucoup plus précise. Et d'ici 2 à 3 jours, eh bien, on va revoir Laura et réanalyser tous ces gestes techniques. Vous savez, quand on travaille souvent avec la même personne, avec les mêmes personnes, on s'approprie souvent les élèves, on oublie un peu des fois ses qualités. Et bien, ça nous rappelle aussi qu'elle a des qualités de vitesse importantes. Et en même temps, ça nous permet de dire, attention, ça et ça, ça ne va pas, il faut les améliorer. Et même elle-même, elle peut voir ses qualités et ses défauts. Grâce à ça, en fait, on pourra justement décrypter les mouvements pour me permettre de gagner en fait en pourcentage, en puissance, en récupération. Il y a une recherche, une envie de mieux se connaître et d'optimiser après la préparation physique pour gagner justement en résistance, en puissance, en agressivité. Nous sommes en région parisienne. Laura s'apprête à disputer la Coupe du Monde de Saint-Maur, une des dernières épreuves sélectives pour les Jeux Olympiques de Pékin. Pendant l'échauffement, comme à son habitude, Laura s'isole en musique. Seule Leilou est en droit de l'accompagner. 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Quelques minutes avant son premier match, Laura retrouve l'une de ses meilleures amies, sa coéquipière Oni Kirali-Pico. La Hongroise naturalisée française en 2003 a elle aussi une carte à jouer pour la qualification olympique. Avant les matchs, toutes les armes sont contrôlées. À l'épée, pour valider la touche, il faut effectuer une pression d'au moins 750 grammes, pas un gramme de moins. Le système électrique est lui aussi vérifié. Laura, comme toutes les autres filles, fait contrôler elle-même ses épées. La pression monte d'un cran. Laura le sait, si elle monte sur le podium à Saint-Maur, sa qualification olympique est assurée. Classée dans les 16 premières mondiales, la guêpe est dispensée de tours préliminaires. C'est donc le premier match de la journée pour Laura, un moment toujours délicat. Son adversaire, elle, a déjà effectué plusieurs assauts. Il s'agit d'Espinoza, une Colombienne dépourvue de tout palmarès significatif. En théorie, les choses ne devraient pas trop mal se passer. Ta jambe arrière, Laura. Allez, sur les jambes un peu. Laura, fais un peu plus de jeu. Tu vois, un peu plus de préparation, hein. C'est trop tranquille. Complètement sur la jambe avant. T'as pas le temps d'aller sur l'avant et sur l'arrière, tu vois. De toute façon, tu vas pas remonter tout d'un coup, hein. Une par une, hein. T'as le temps de remonter, hein. Son aile fait toujours bon arrière, flèche, bon arrière, flèche, bon arrière, flèche. Donc faut pas que tu t'engages longtemps, trop longtemps et trop engagé. D'accord? Comme ça, tu auras le temps de voir comme ça, pour avoir. Hein? Allez, on te laisse. Voilà! Et t'as vu la main à gauche ce jour, hein? C'est parti maintenant, allez! 32 secondes encore, hein? Et là, tu es sorti là, allez, remets-toi dedans.
Avec deux touches de retard, Laura ne parvient pas à revenir au score. Elle s'incline. Stupeur dans la salle, depuis le début de la saison, c'est son plus mauvais résultat. Mauvaise entame de match. Je pense qu'elle n'était pas suffisamment agressive comme on la connaît d'habitude. Vous voyez, d'habitude, on voit les orbites qui sont sortir de ses yeux. On n'a pas vu, là. Elle a eu vraiment beaucoup de difficultés à se mettre dedans dans le match. Elle a payé. C'est le haut niveau. À ce niveau-là, si on n'est pas dedans tout de suite, on le paye. Bien battu. Par la suite, Laura Flessel va passer la journée à encourager Oni, qui peut peut-être assurer sa sélection. C'est fait, Oni termine deuxième. L'équipe technique a sorti les calculatrices, cette fois c'est sûr, malgré la contre-performance de Laura, c'est bien les deux copines qui iront à Pékin. C'est ma copine et voilà, et maintenant on sera deux au jeu. Donc on est vraiment à la QV 71, elle est très bonne. Donc voilà, c'est vraiment une personne que j'adore, qui est très gentille, qui est besogneuse et qui allait montrer qu'elle a gagné sa place. Donc ça, c'est génial. Si la guêpe n'a jamais rencontré de problèmes physiques majeurs durant sa carrière, aujourd'hui âgée de 36 ans, son corps est plus fragile. Cette saison, elle a donc décidé d'accroître ses séances de récupération en compagnie de Jean-Christophe Savarin, son kiné et ostéopathe depuis 1995. Elle a fait des grosses séances d'entraînement et j'ai pas envie qu'à un mois des Jeux, on ait un gros pépin musculaire qui arrive, quoi. C'est-à-dire que ça, c'était notre hantise qu'on avait depuis le début de l'année, quoi. Donc elle a vraiment été pro là-dessus. C'est vrai que des fois, j'étais obligé de la relancer un petit peu parce que Laura, c'est pas du tout le style à abuser des soins, etc. Mais cette année, elle a vraiment fait l'effort pour venir. Je n'ai pas eu de problème comme les autres années parce qu'effectivement, il y avait une meilleure, je dirais, implication de ma part, du moins, pour récupérer. Mais j'y sais, il est kiné, il est ostéopo, on peut faire du travail de proprio. Donc on a signé notre contrat, c'est qu'on termine sur les Jeux Olympiques ensemble et pas question de se blesser avant course. Donc j'étais consciencieuse cette année. Bien loin de Paris et des salles d'escrime, nous sommes à Haïti, l'un des pays les plus pauvres au monde. À quelques semaines des Jeux Olympiques, la championne accompagne l'association Plan France, dont elle est l'une des ambassadrices. L'un des moments forts au programme du séjour est la rencontre avec une petite fille que Laura marraine depuis maintenant plus d'un an. Aujourd'hui, on va aller du côté de Bellevue pour aller rencontrer pour la première fois ma filleule. Donc grâce à Plan, en fait, que j'ai connu, on a décidé justement de faire des projets communs et ça passe par le parrainage. Donc moi, je suis contente. C'est une petite fille qui a l'âge de ma fille et c'est vrai que j'ai hâte de la voir. Y nos vamos. Un mélange de pauvreté extrême et de joie de vivre, c'est l'univers de Port-au-Prince que Laura découvre pour la première fois à la sortie de l'hôtel. A mi gente caribeña, que gozan de buena fiesta. Merci, on va les créoles. On comprend, non, t'es capable d'étaler là. Oh. Je suis pas derrière, mais. Tu vois, ça juste intérêt, pas aller. Pas connaître. Quoi, hein. La force, en fait, en Guadeloupe, c'est de aussi bien associer, je dirais, la culture française, l'histoire française, à l'histoire, en fait, de nos origines, de l'Afrique, du commerce triangulaire, c'est connaître aussi nos origines. Donc c'est vrai que le fait de connaître, en fait, d'avoir cette double, je dirais, entité, nous permet d'être fort, en fait, dans la vie de tous les jours.
Route escarpée, paysage de rêve, à flanc de montagne, là encore, la référence à la Guadeloupe est évidente. Les souvenirs de Laura se bousculent. Ça rappelle la Guadeloupe, mais comme je disais, la plage me fait penser un petit peu à Copacabana Beach, à Rio. C'est un beau mélange, mais c'est vert, vraiment très vert. Mais avec le petit cabri qui est là, ça m'a fait repenser à mes bonnes années d'adolescence, où on allait avec mon grand-père justement attacher les cabris pour gagner de l'argent de poche. Et c'est vrai que c'est magnifique. Ouais. Après 2 heures de route chaotique, le moment tant attendu arrive enfin. Laura va faire connaissance avec sa jeune filleule et l'ensemble de sa famille. Pour elle, qui communique par lettres avec la petite Carline depuis plus d'un an, c'est une première rencontre. Bonjour. 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 Je vais d'abord dire bonjour. 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 Bonjour, mamie. Bonjour. Ça va? Ça va. Oui. Bonjour. Allez. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 Merci. C'est tout faire. Ça se voit pas, j'ai les mains qui tremblent. Non, de la joie. De la joie, oui. Mais elle est toute belle. Mmh. Non, t'es tout pitié, t'es ni aussi plein ou bon. Tu veux monter ta classe? Oui. D'accord. Direction l'école de Carline, située à quelques centaines de mètres. Là aussi, l'accueil est très chaleureux, même si enfants et enseignants ignorent tout de Laura Flessel. Pour eux, il s'agit seulement d'une marraine de Plan France qui vient rendre visite à la petite communauté. Oh, là, il y a une grande classe. Bonjour. Bonjour. Merci. Je suis en fait de l'île Sœur. Je viens de la Guadeloupe. Elle vient de la Guadeloupe. En sorti Guadeloupe, regarde, elle t'a dit ça. Oh my God. Excuse-moi. Elle t'a dit Guadeloupe. Et j'ai une petite fille de 7 ans. Les gars, une petite fille qui gagne 7 ans. Mais en plus de ça, je fais du sport. En plus de ça, il fait sport tout, madame Sanouela. Et en fait, j'appartiens en fait à l'équipe de France. C'est une madame qui, s'il vous plaît, nous capable dire qui dans l'équipe de France. Nous connaissons le pays qui est la France, non? Madame, oui. Ça sport que le fait, hein? Eh bien, il a joué dans l'équipe la France, là. Et en fait, je fais de l'escrime. En fait, sport la fait, c'est pas football, c'est pas volleyball, c'est un sport qui aurait l'escrime. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est l'escrime? Est-ce que nous connaissons ça qui est l'escrime, là? Non? Y'a pas connu. Est-ce qu'ils veulent savoir? Est-ce que nous voulons connaître? Oui. Oui? Est-ce qu'ils ont ils ont l'habitude de jouer avec des bâtons? Est-ce que nous comptons jouer avec des bâtons, Yuna Claude, comme ça? Ou piquer, ma pico? Oui, oui. Oui, alors c'est l'escrime. Alors c'est ça qui est escrime. Stop! Oui, mais tu ne m'as pas touché. Ah, allez. Oui. Là? Hé! Hey. Hé! Hey, prêt? Ouais! Allez! Allez! Oui! C'est ça l'escrime! Oui! Mais à bientôt! Eh bien, ok! Dites-nous bye-bye! On y va? À l'image de beaucoup de Guadeloupéens, Laura est très croyante. Régulièrement, elle prend le temps de se recueillir et de prier.
Est-ce qu'on peut prier pour une médaille? Prier pour une médaille? Non, prier tout court, oui. Après, c'est y a des choses à demander, donc c'est la paix dans le monde. C'est, je pense que oui, quelque part, on prie pour qu'on réussisse, mais prier pour l'ordre, non, mais prier pour que tout se passe bien, oui. 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 Dernière visite du séjour de Laura en Haïti, l'hôpital Saint-Joseph. Parmi les nombreuses missions de l'établissement soutenues par Plan, la prévention et la détection du virus du sida sur une île très touchée. L'hôpital est aussi la seule maternité sur un périmètre très important. La maternité, un sujet qui touche particulièrement Laura Flessel. Bonjour. Oh. Bonjour. Ça, c'est la maternité. Là, et... c'est pour après les accouchements. D'accord. Chanter. Un bébé. Ouais. Combien de jours? 4 jours. Oh, félicitations. Oh, j'ai oublié. J'ai une petite fille, mais elle est grande maintenant, elle a 7 ans. 7 ans. Bienvenue parmi nous. Yeah. C'est trop mignon. Oui. C'est sûr que je suis famille nombreuse, j'ai envie de connaître aussi les joies de, à nouveau des joies de la maternité, mais j'ai envie de dire, si je ne suis pas contre l'adoption si jamais c'est trop tard. Donc, voilà, j'ai de l'amour à donner et si c'est pas moi, ça ne provient pas de moi, mais j'adopterai, c'est sans problème. Après 4 jours de total dépaysement en Haïti, retour à Paris, gare de Montparnasse pour un déplacement moins exotique. Cette fois, il s'agit de se rendre à Nantes, au championnat de France des clubs, une compétition moins importante qu'une épreuve internationale. Pourtant, Laura Flessel n'est pas lassée. Ce serait une compétition de ligue, ce serait la même chose. Je pense que j'ai ça en moi. J'aime la compétition, j'aime ce que ça apporte. Le stress et l'envie, la détermination, c'est une manière de progresser en se disant qu'il n'y a pas de petite compétition. L'objectif du club, c'est le titre de champion de France, point, on le sait tous. Donc, je sais que je peux compter sur vous là-dessus. Et ce ne sera pas une mince affaire, parce qu'il y en a qui attendent que ça, c'est nous battre. On le sait tous. Mais on sera de rendez-vous, on montrera qu'on existe. Et la meilleure façon d'exister, ce soit la piste. Donc rappelez-vous que moi, je fonctionne un peu bizarre. C'est-à-dire que moi, dès que je sens un truc, je change. Je peux me tromper. Mais par contre, je peux mettre quelqu'un à n'importe quel moment pour rentrer. Ça veut dire que je fais confiance à la personne avec qui je travaille. L'escrime est un sport individuel, mais c'est aussi une discipline qui se conjugue au pluriel. Les assauts ont cette fois une toute autre saveur. C'est pas du tout la même approche. On se sent beaucoup plus forte, ou on accepte beaucoup plus facilement le stress parce qu'on est 4. Bonjour, bienvenue dans la chambre de Laura et Loli. Elle est rentrée. Regardez pas le désordre, hein, parce qu'on vient juste d'arriver. Ah. Mais sachez que notre chambre, c'est la mieux rangée de l'équipe. C'est toujours bien rangé. La preuve. La veille de la compétition, les filles passent en revue l'ensemble de leur matériel. J'aime le matériel utilisé déjà. Donc elles sont façonnées, elles ont vécu. Et limite, font un tox, je me dis, bon, mais je pars en guerre. Et en fait, elle m'a déjà accompagnée bien des fois, donc je la garde. Dans la housse d'escrime, on a les protèges tibias. C'est un sport asymétrique. Et à l'épée, en fait, tout le corps est valable. Et en l'occurrence, on descend beaucoup au pied. Et depuis quelques années, on utilise justement les protèges tibias parce qu'on peut juste, on prend des touches, en fait. Les protèges nénés. Donc là, on a bien besoin. Parce que c'est un sport d'opposition, donc lorsqu'il y a de l'opposition et du combat rapproché, ben des fois ça fait dégonfler des nénés. Restons sérieux. Lorsque la musique est éteinte, c'est la télévision qui est allumée. Et ce soir-là, il y a une amie de Laura qui est invitée en plateau, une certaine Marie-Josée Pérec, triple championne olympique. C'est une grande dame et c'est vrai que... À chaque fois que je la vois, je repense en fait à la phrase qu'elle m'avait dite à Atlanta. Elle était championne olympique
Et elle me dit, alors, t'as fait quoi à la Guadeloupéenne? Et en fait, je lui ai dit, bon, mais je suis en car, on part. Elle m'a dit, allez, fous tes faits. Et donc, du coup, c'était la championne olympique qui me disait ça. J'avais 25 ans, j'étais toute jeune. Donc, j'étais trop contente. Je me dis, ouais, elle m'a dit, elle a la médaille d'or. Et en fait, je suis retournée le lendemain. Elle m'a dit, alors, ça fait quoi? Mais j'ai ma médaille d'or. Pour le week-end, Laura s'est un peu limitée en nombre de bijoux. Parmi eux, un objet fétiche acheté en Chine, à Pékin, où Oni et Laura peuvent très bien avoir à s'affronter, un cas de figure qui est loin de les inquiéter. Ben, ça sera la finale, donc tout va bien. Ouais, tu as un compte paille. Ouais. Non, mais c'est une éventualité, mais limite, je préfère faire la finale contre une amie et dire « nous sommes toutes les deux à revenir médaillées » que ne pas revenir médaillées. Oui, mais on a déjà tiré ensemble à Athènes, c'était pareil. On était dans les 16, on a tiré ensemble, elle m'avait battue, mais on est toujours amies. Ça n'a rien à voir. Si avant la compétition, l'ambiance reste décontractée, l'objectif avoué de l'équipe est clairement la victoire. La plupart des filles du collectif sont arrivées au club en même temps que Laura Flessel, avec un défi majeur, redorer le blason du Racing. À nous de rentrer tranquillement sur la première touche, d'accord ? À hurler et à les bétonner. Il n'y a pas de raison, d'accord? On n'est pas moins fort qu'elle, on est aussi fort qu'elle. Passe pour nous! Passe! C'est un challenge qui attend les Racing Women. En effet, la finale va se disputer face au Levallois Sporting Club, l'ancienne structure de Laura et de deux de ses coéquipières. C'est d'ailleurs sous les couleurs jaune et bleu qu'elles avaient l'an dernier décroché le titre national. Bien ça! Dans l'équipe de la ville du 92 sont restées Maureen Nissima et Sarah Daninthe, toutes deux médaillées de bronze et coéquipières de Laura et Oni lors des JO d'Athènes. Faut en temps, faire préparation avec le bras, t'es en préparation là, faire des variétés de façon qu'elle ne lise pas ton jeu. Ok? Agressive. Bien. Il faut ressortir de temps en temps, entrer et sortir, hein, d'accord? Allez. Le Lagardère Paris Racing domine le match. Pourtant, Hervé décèle chez Laura un petit passage à vide. Il s'empresse d'intervenir. Laura, t'es trop près. Tu t'engages trop. Elle n'est pas encore à son top, elle n'est pas encore à son niveau, elle a toujours autant la hargne, ça ne changera pas. Mais après, sur la possibilité de son jeu, elle n'est pas encore à son niveau, à mon avis, personnellement. Mais bon, ça va venir, il faut qu'elle soit au top au jeu. Donc voilà, c'est ça le plus important. À quelques jours du début de ces quatrièmes et derniers Jeux Olympiques, les regards du monde sportif se portent sur la guêpe. Si finalement, elle n'est pas porte-drapeau de la délégation française, elle est implicitement l'une des figures emblématiques des équipes de France et assurément le fer de lance de toutes les scrims tricolores. La pression sur les épaules de la Guadeloupéenne pourrait être énorme à supporter. Pourtant, en toute sincérité, Laura avoue le contraire. À quelques jours des Jeux de Pékin, je me dirais que c'est le mot qui règne, c'est la sérénité. Parce qu'avec la petite équipe, on a préparé, je dirais, l'arrivée de l'événement. C'est une préparation longue, très difficile, mais en l'occurrence, tout a été fait. Donc maintenant, il faut juste être dans les starting blocks pour partir. J'attends juste le départ. Voilà. Donc, sereine.
pour Laura Flessel le jour J, c'est le 13 août. Quel qu'en soit le résultat, la saveur en sera particulière. La guêpe aura alors disputé son tout dernier assaut olympique.